Wow. Merci. Grisia. Ok les amis, c'est lundi. Pourquoi tu rigoles? Mais parce qu'il y a un problème là. Mais je t'ai déjà dit que lâche tes cheveux, lâche. Fais-les vivre, voilà. Respecte la longueur, voilà, c'est bien mieux là. Ben oui, ben voilà. En plus, on peut pas dire que tu les gardes attachés parce qu'il fait trop chaud, c'est pas vrai, il fait froid. Cette nuit, on a eu froid, on est failli tomber malade, on va sortir la couette. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. On va sortir les gigoteuses aussi pour Hélène. On va peut-être pas sortir la couette tout de suite, mais on va peut-être mettre deux draps. Non, c'est plus relou à faire le lit après. On mettra un plaid par-dessus. Ou un plaid, voilà. Si, qui a déjà sorti la couette? On a déjà posé cette question hier. On a déjà posé cette question hier, ou avant-hier, je sais plus. Tu radotes. Je suis vieux. Donc nous sommes lundi. Nous sommes lundi. Une nouvelle semaine commence. Oui. J'étais contente de dire à mon papa que hier on a eu beaucoup de vent mais qu'aujourd'hui il n'y en a pas. Et en fait, ça commence à souffler. Son papa est là, je sais pas si on vous l'a dit. Si, on l'a dit. Oui. On est en train de répondre à un peu de courrier et je voulais vous montrer une magnifique carte qu'on a reçue. Alors ça m'a fait trop planer, ça veut dire que ça m'a fait trop faire rire. Parce que c'est une carte de La Réunion. Et ce qui m'a fait rire, c'est le nom du photographe. J'ai pas vu. C'est Serge Gélabert. En fait, à La Réunion, t'as un seul photographe, tu sais. C'est Serge Gélabert. C'est-à-dire que toutes les photos de fruits, de paysages, d'hélicoptères qui survolent les montagnes et tout, en bas, c'est écrit Serge Gélabert. Donc tu te dis que ce mec, il doit être multimillionnaire. Parce que toutes les photos... Serge Gélabert. Qui sont utilisées ouais, pour promouvoir l'île, c'est lui. C'est vrai, un truc de fou. Donc merci encore pour tous vos courriers. Et merci à Petit Réunionnaise qui nous a écrit. Oui. Et à vous tous qui nous regardez de La Réunion. Oui, parce que vous êtes très nombreux. Ou des îles, enfin de partout quoi. On vous l'a pas encore dit, mais cet automne, on part en Bretagne pour un baptême. Et donc je suis en train de préparer un petit peu, de chercher des tenues pour Elena. Donc je ressors un peu les vêtements chauds, puisque voilà, on va dans le grand nord-ouest. Qu'est-ce qu'il y a Elena? Arrête de râler un peu, va. Donc voilà, je cherche, je sors, ressors les petits cache-coups, les bonnets. Et là, je suis retombée sur quelque chose que j'ai adoré, c'était ça. Je sais pas si vous vous en souvenez, on l'a vu dans certains vlogs. Mais malheureusement, c'est du 6 mois, donc elle ne rentre plus dedans. Et j'ai vu qu'Akiabi ne le font que jusqu'en 9 mois. C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé lui donner, enfin, la mettre là-dedans. Mais voilà, ce sera trop petit, donc tant pis. En tout cas, là, je suis en train de trier et de retomber un peu sur des trucs qu'on n'a jamais utilisés ou alors que comment dire, qu'on n'a pas utilisé depuis longtemps. Les petites moufles comme ça, qui s'attachent pour pas que les bébés, ils perdent, et les enfants, ils perdent leurs gants. Donc voilà, ça, je pense qu'on va bien l'utiliser. Il faut juste que je lui achète un manteau, des chaussures, des chaussons antidérapants. Qu'est-ce que je dois lui acheter encore pour cet hiver? Hein, qu'est-ce que je dois t'acheter encore, toi? Ouh là, en tout cas, elle râle depuis quelques jours, là. Je pense qu'elle est en train de recommencer à nous faire un peu les dents. Oui, je pense que tu fais les dents. Je sais pas trop si on a eu l'occasion de vous le dire, mais maintenant, Elena, elle gambade. Hein. Donc, elle marche de plus en plus vite. Et c'est fini, elle ne fait plus de quatre pattes du tout. Voilà. Sauf si elle a des chaussettes qui glissent ou des chaussures qui glissent, ce qui est très rare, parce qu'elle est très souvent pieds nus à la maison. Et voilà, le quatre pattes, c'est terminé. Maintenant, c'est que la marche. Même si c'est pour faire 30 cm, et eh bah elle va se mettre dessus. Mais t'aimes pas que je parle à l'appareil photo hein. C'est bon la banane? Ouais. Tu te régales, tu manges trois trucs en même temps. Ta banane, ton biscuit et ta petite galette de riz. Franchement, bah tu sais t'as perdu quelque chose là hein. Je crois qu'il y a un truc là. Entre tes... Là ici. Il y a un truc là. Eh ouais, il y a son biscuit. Voilà. Bon goûter ma fille. Merci. Elena me sort les courses, mais elle me sort même des... Tu me donnes les bananes? C'est trop lourd? Non, ça va, tu arrives? Oula. Merci. Bon, cet appareil a un petit problème de focus, on dirait. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô, allô? Non? Tu ne veux pas? Bah alors? Moi, ma fille, tu ne veux pas être focussée. Ah, ça y est.
La super pose, quoi. Pourquoi il y a ta petite télécommande dans ton lit, d'ailleurs? C'est vraiment bizarre, ma fille, hein. Très, très bizarre. Il y a des jouets dans ton lit. Non, mais j'ai pas besoin de ton doudou, ma fille. Allez, maman, elle s'en va. Ok, les amis, c'est mardi. C'est mardi. Babou est parti faire quelques petites courses. Il est allé, je sais pas où en fait, je sais pas trop où il est parti faire des trucs, acheter notamment essayer de voir si on peut trouver des chaussons à Décathlon pour Elena, comme vous nous l'avez conseillé en commentaire. Donc merci pour ça, on va aller voir. Tu arrêtes de râler. Alors Elena râle depuis 2-3 jours là, elle n'arrête pas, elle râle tout le temps. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle est enrhumée ou si c'est parce qu'elle commence à nouveau à faire les dents, c'est possible, hein. Donc je lui ai mis son petit collier d'ambre, hein, même si ça lui fait pas grand chose. Oui, oui, je vais te porter dans un instant. Attends, là, il faut que je range le linge. Je parle à des amis, tu comprends? Non. Tu vas parler aux amis, toi aussi? Oui. Donc papa, il est parti faire des courses, oui. Et donc on va rester toutes les deux, je vais ranger son linge, on va rester entre mère et fille. Et puis, Babou, il va rentrer, je pense, pour l'heure du repas. Oui, bon, je vous laisse, hein. Je vais m'occuper de mon enfant qui se sent abandonné et délaissé. C'est trop drôle parce que depuis ce matin, Elena, elle arrête pas de parler, mais c'est différent de d'habitude. D'habitude, elle crie des da-da-da-da-da, des trucs comme ça. Et là, c'est... C'est très très bizarre. Hein? Tu discutes beaucoup aujourd'hui? Oui, et tu râles beaucoup aussi. Elle aime vraiment pas qu'on parle à la caméra. J'ai remarqué ça aussi depuis quelques temps. Vous l'avez déjà dit, hein, quand on a la caméra, elle aime pas qu'on s'occupe pas d'elle. Tu arrêtes de faire la capricieuse, va. Hein? Et voilà, et là on arrête. Non, vous ne rêvez pas, il est 10h35 et je me fais une tisane douce nuit. Voilà, parce que j'ai envie. Tu discutes avec qui? Tu détruis toutes tes dalles? Ouais, je m'en fiche, maman, je t'écoute pas. Coco, je suis à la maison. C'est Babou. I'm mon home. This morning, I was on the road. Ce matin, j'étais sur la route. Vous avez compris, évidemment, parce que vous parlez parfaitement anglais, je le sais. On va pas remettre le sketch de procès. J'étais sur la route, ah là là, je vous raconte pas ce qui m'est arrivé, je vous allais pas me croire. J'étais là, tranquille, j'avais deux choses à faire, ça devait me prendre 30 minutes, ok? J'avais prévu de faire sincèrement l'aller-retour en 1h30, quoi. Je n'ai même pas su leur dire clairement ce que tu es parti faire. En fait, j'étais allé à la sécu, à la CPM, pour déposer des papiers, parce que là, la seconde grossesse, donc vous savez, il y a de la paperasse à déposer, tous ces machins, des petits trucs de CAF, de Pôle emploi, de tous ces trucs-là, quoi. Et aussi, j'avais des courses à faire, il fallait aussi que j'aie le comptable, etc. J'ai fait que la moitié parce que j'étais saoulé. J'arrive, manif, enfin pas manif, grève, enfin bref, CGT et compagnie, banderole et compagnie. Ils bloquaient la route, des gendarmes de partout. J'étais au feu rouge, regardez bien la situation, j'étais au feu rouge, il y avait deux voitures devant moi, le feu était rouge. Ils arrivaient comme ça, donc on avait encore le temps de passer. Le feu était vert plutôt. On avait encore le temps de passer, mais les gendarmes bloqués, évidemment, parce que les manifestants ne s'arrêtent pas. Hein. Donc, nous, bloqués. Je descends de la voiture, je regarde. Si vous connaissez Perpi, c'était tout le boulevard qui passe devant la Fnac, là, qui remonte jusqu'à Auchan, avenue d'Espagne et tout. Tout ça, c'était bloqué. On en avait pour au moins une heure d'attente, je pense. Non, peut-être pas. Donc, demi-tour, toutes les voitures prenaient des sens interdits pour essayer de trouver un chemin. Je vous raconte pas. Ça m'a énervé. Du coup, j'ai fait que la moitié des trucs que je devais faire. Sur les deux trucs que je devais faire, t'as fait que un. Ouais, je suis allé faire que des toutes mini courses. Je suis pas allé voir le comptable. Il est pas allé acheter les chaussons de Léa. Je voulais aller à Décathlon, évidemment, oui, parce que Bibou m'envoyait acheter des petites chaussons, etc. Bref, super matinée. Mais on va y retourner demain. Hein. Les grèves, c'est pas tous les jours non plus. Demain, on retourne. Ou après-demain, on verra. Je dis des choses des fois, mais. Non, jeudi. Parce que jeudi, on sort. Voilà, bref. Jeudi. Ça va, ma fille? Jeudi, ça va être un grand jour. Ça va, toi? Alors, vous avez vu, hein? Elle range les courses maintenant, madame, hein? Mademoiselle.
Ouais. Elle sort les courses du sac, elle donne tout à maman comme ça. Ouais, c'est vrai. Et hier, elle m'a fait ça avec des conserves, donc j'avais un peu peur qu'elle... Puis que tu te les lâches pas sur le pied. Ouais. Hein? Là, je crois que je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit. Coucou. Hein? Oui, coucou, t'es contente toi. C'est comme quand on fait du sport, elle prend nos haltères aussi. Hein. Ouais, non, faire attention. On essaie d'être prudent. Faire attention parce qu'elle a beaucoup de force. Elle surestime sa force. Hein. Et elle la surestime beaucoup, ouais. Mary. Elena, tu vas où? Elena. Ah, on va manger? Tu as faim? Viens, on va manger. On va goûter. On va goûter. Allez. Maman, nourris-moi. Nourris-moi. Hop, hop. Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Tu veux m'enlever mon bracelet? Tu sais que si j'enlève ce bracelet, je meurs. Les moustiques vont me manger. Surtout que là, je vais dehors. Je vais aller dehors, là. J'ai une grosse mission. Mission ramassage de caca. T'as faim, mon gros? T'as faim, papy? Allez, va! Allez! À chaque fois qu'il reste qu'une dose dans son sachet de croquettes, je fais ça. Parce que du coup, ça l'occupe, il joue, il déchire tout le truc, il comprend pas comment y arriver. Hein? Mais il adore. Salsa! Salsa! Wow! Oh purée, la vitesse! Elena! Coucou! Coucou! Tu fais du tam-tam sur Coucou. La tête à papa? Comment faire peur à une maman? Attention! Ah! 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 Question du jour! Bonjour. T'avais pas envie de te lever. Oh là là, t'es de plus en plus fainéante. Mais non, mais je pensais que t'allais descendre. Je devais me raser aujourd'hui, je l'ai pas fait. J'ai ramassé les caca de chien et je me suis même pas rasé, tranquille. Bah tu le feras demain. Question 2, c'est Bibou qui les a choisis de Lady Glam, qui commente, je crois, assez souvent, qui demande Juliana, comment vis-tu ta grossesse actuelle comparée à celle d'Elena? Les différences et les similitudes. Donc pour tout ce qui est différences et similitudes dans la grossesse, je t'invite et je vous invite tous et toutes, si vous êtes intéressés, à aller voir les vidéos qu'on fait semaine après semaine au fil de la grossesse. Comme ça, vous pourrez vous-même comparer avec les vidéos que j'ai fait mois par mois pendant la première grossesse d'Elena. Comme ça, vous verrez bien les différences et similitudes, parce que là, je ne les ai pas en tête. Mais il y en a, mais, évidemment. Voilà, il y en a, évidemment. Et après, pour ce qui est de comment je la vis de manière générale, je trouve que ça passe beaucoup plus vite que la grossesse d'Elena, parce que forcément, comme j'ai un bébé, je m'en occupe et que j'ai pas que mon ventre à, voilà, à me préoccuper. Je pense pas que à ton ventre. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que bien sûr que j'y pense, mais c'est pas tout le temps, alors que quand j'étais enceinte d'Elena, je ne pensais qu'à ça. Donc ça, c'est clair. Et par contre, je suis plus stressée, plus angoissée par rapport à cette grossesse-là que celle d'Elena. C'est des grands mots, hein. Oui. Elle est pas stressée ni angoissée, hein. Non, mais c'est-à-dire que par exemple... C'est juste que tu te... Je vais psychoter un peu sur certaines choses, me préoccuper. C'est pas le bon mot non plus. C'est pas des mots employés sur internet, parce qu'après ça affole tout le monde. Okay. Non, c'est juste que la première grossesse était plus insouciante. Je me posais aucune question. Voilà. C'est ça. Quand j'étais enceinte d'Elena, je me posais aucune question. Ça venait comme ça venait. Ce qui est paradoxal, parce que généralement pour la première grossesse, on peut se dire je suis stressée. Oui. Et pour les autres, ça va. Ouais.
Mais en plus, t'as même pas raison. J'ai parlé à une autre maman qui était exactement, qui l'a vécu comme moi. C'est que voilà, la première, vraiment, je me posais aucune question. Alors que là, et ben voilà, je vais me dire, bon, je le sens pas encore bouger. Ouais. Est-ce que tout va bien? Elena, je la sentais déjà bouger. Attends, je me rappelle plus. Alors qu'en fait, quand je vérifie, c'est même pas vrai. Attends, je vais aller voir les vidéos. Non, en fait, c'est bon, elle bougeait pas encore. Bon, bah, tout va bien. Voilà. C'est bon, ça va. Le poids, comment j'étais? Ah non, mais Elena, si t'es... Non, mais après, c'est pas vrai, je me pose pas la question. Non, comme je ça. Non. Merci, Lady Glam, pour ta question. Voilà. Et vous avez le droit, vous, du coup, de. Aussi, si vous avez déjà eu plusieurs grossesses, si vous avez vécu les choses différemment, de raconter en commentaire, bah de répondre à cette question. Ouais. Et la deuxième question de Solène Élise. Deux questions ce soir. C'est magnifique. Qui demande. Qui demande, voilà, pourquoi on a décidé de faire des enfants aussi rapprochés. On l'avait déjà un peu expliqué, mais pas vraiment. Bon, on va pas faire 20 minutes dessus. Non, parce qu'il y a énormément de raisons. Il y a plein de raisons. On va citer quelques petites raisons qui nous viennent à l'esprit. Il y a plein de raisons de faire des enfants rapprochés, comme il y a plein de raisons aussi de faire des enfants assez éloigné. Et des fois, il n'y a pas de raison. Des fois, c'est parce que. Pas de raison, voilà, c'est juste ça comme, fait ça. Comme ça. Vous avez le droit également, là aussi, de commenter, de dire. Votre avis sur votre vous. Avis. Enfin, nous, on a choisi de faire des enfants rapprochés. Pour... Pas votre avis sur les enfants rapprochés, mais votre avis sur vous, si vous avez fait des enfants proches ou pas proches, oui. Pourquoi enfin, pourquoi voilà. Est-ce que si vous n'avez pas d'enfants, est-ce que vous les voyez rapprochés? Nous, ils vont avoir 2 ans, 18 mois. Ouais, 1 an et demi. Voilà, 1 an et demi, 2 ans grand max. Avec le troisième, on ne sait pas encore. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent attendre 3-4 ans. Donc, ouais. Dites-nous, vous êtes situé où? Pourquoi 1 an et demi, 2 ans? On se dit, nous, parce que au moins on est toujours dans les couches. Ouais, on sait ça. On finit les couches, c'est-à-dire que si on en fait 3 enfants, on enchaîne donc 4 ans de couches. Ouais, à peu près. Voilà, à peu près 4 ans de couches. 4-5 ans de couches. Et après, ensuite, c'est fini. Voilà. Première raison. Hein. Ouais. Deuxième raison. Et les couches et tout le reste. C'est-à-dire que vraiment, le fait de s'occuper d'un enfant bébé. En bas âge, d'un bébé, tant qu'on est dedans. S'il y en a un deuxième ou un troisième, voilà, on est toujours dedans, on est toujours dans le jus, on a toujours l'énergie et le savoir-faire. Ouais, c'est ça. Et alors que, en fait, on a peur aussi que, enfin, moi je me connais, je sais que si j'étais rentrée dans un confort, que j'attendais qu'Elena ait 3-4 ans et qu'elle soit autonome, qu'elle fasse sa vie, je me serais dit, je sais pas si j'ai envie de recommencer. Quoi. Ouais, j'ai plus envie des couches, j'ai plus envie des repas que t'arrives pas, enfin bref, tu vous comprenez. Les galères du début. Et puis après aussi, on a 30 ans et moi j'avais envie qu'à 35 ans je ne vive plus de grossesse, que ce soit terminé. Genre, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas qu'on puisse programmer entre guillemets ses enfants, mais moi je pense que c'est... On a ce luxe aujourd'hui, on c'est a cool, ce... Oui, on est dans une société qui permet de le faire et de se dire, il y a tellement de gens à 40 ans qui, hop, je veux des enfants et qui galèrent. Donc si on... Parce que c'est compliqué, donc si on ça peut... Ça devient plus difficile. Si on se dit, bah voilà, là j'en veux à 30 ans et il faut qu'à 35 ans... Pas il faut, mais j'aimerais qu'à 35 ans j'arrête parce que voilà, c'est bien. Ouais, si on peut le faire. Si c'est notre choix et qu'on peut le faire. Donc, que ça, c'est quelque chose, c'est un fait et c'est vérifié et c'est scientifique hein, que plus les années passent, plus la fertilité baisse. Ça va. C'est comme ça. Après, c'est tout, autre raison. Aussi, il y a une autre raison aussi, c'est qu'en fait, on avait envie que nos enfants soient d'âge rapproché pour pouvoir profiter des mêmes activités au même âge, faire un peu les mêmes choses quand. Quand on ira en sortie quelque part, et ben ils feront les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on pourra, il y en a pas un qui va dire oh non mais moi je suis trop grand pour faire ça. L'autre c'est un bébé. Ouais c'est vrai ça peut se comprendre. Genre par exemple tu vas à Disney, tout le monde fait le même manège. T'en as pas un qui va te dire moi je fais Space Mountain et moi je peux pas parce que je fais pas 1m20. Ouais, tu vois voilà. Si il y aura quand même. Il y aura ce petit. Il y aura moment, cette petite année. Mais ça va pas durer. Mais on n'ira pas à Disney pendant cette année-là. Et puis voilà. On attendra qu'ils aient tous 1m20. Et puis c'est vrai qu'aussi nous on a 3 ans à 4 ans d'écart entre notre Babou son frère et moi ma sœur qui sont donc, plus jeunes que nous vous de 3-4 ans. Vous voyez ça veut rien dire, on peut avoir des 3-4 ans d'écart en étant dans notre truc et qu'on a apprécié, mais moi c'est vrai que j'aurais aimé qu'on ait un âge plus proche parce qu'on était très fusionnels avec ma sœur et le problème c'est qu'elle était quand même plus jeune que moi. Oui, je me dépêche et que donc du coup je lui disais des choses de mon adolescence alors qu'elle était trop jeune pour les entendre. Et voilà, donc si nos enfants ils ont le même âge, ils pourront parler des mêmes choses. Tu m'as dit qu'on allait vraiment faire très court, oui, 4 minutes. Pardon, désolé. J'espère que vous avez apprécié cette question. C'est pas possible. Mais c'est un truc de fou ça quand même. Tu vois pas le temps qui défile. Ouais, si, c'est vrai. Après, je fais des montages, les vlogs ils durent 20 minutes. Et sachez aussi, parce que vous êtes très nombreux à me dire. Mais là, tu le rallonges. Oui, non, mais j'explique. Vous êtes très nombreux à dire babou, nana, tu la coupes et tout. Sachez qu'un vlog de 20 minutes, je vous le dis. Ça prend plus de 4h30 à se mettre sur YouTube. Un vlog de moins de 15 minutes, en 2h30, c'est fait. Me on n'a pas la fibre. Me demandez pas pourquoi à 5 minutes près, ça se joue autant. Ouais. Mais c'est pas pour rien que je te dis ça. Je suis désolée, I'm sorry. Si tu veux, tu fais un live pour raconter ta life. Okay, tu prends ton on téléphone fera ça. Et tu fais un live. Mais c'est vrai. Oui, en plus, t'as la 4G Bouygues qui marche super bien. C'est vrai. Donc tu prends ton téléphone et tu parles.
On fera ça. À tous ceux qui veulent t'écouter pendant 2 heures. Ok. Donne une date là. Mais je sais pas. Mais non, mais donne une date. Mais je sais pas là. Voilà, tu vois. Allez. Anticipe. À demain les amis. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.